C'est en compagnie de son homologue burkinabé, Lucadof Tiao, et des membres de son gouvernement présents à Ouagadougou que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été reçu par le président du Faso. Le chef du gouvernement est allé transmettre les salutations du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à son ami et frère Blaise Compaoré. Également au centre des échanges, le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Occasion pour le Premier ministre Duncan de rendre compte des travaux préparatoires du prochain sommet relatif au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a donné des conseils utiles pour l'accélération donc des différents dossiers et surtout donc pour que la rencontre qui va avoir lieu au mois de juillet ici puisse se passer donc dans de bonnes conditions. Bien sûr, il a profité donc de l'occasion pour parler donc de la situation dans la sous-région, notamment donc le dossier concernant donc le Mali et le dossier donc relatif disons au Nigeria pour Boko Haram, et exprimer donc la solidarité de la CEDEAO sur ces deux dossiers. Dans cette même optique, le Premier ministre ivoirien a rencontré le président du Parlement de la République du Faso. Daniel Kablan-Duncan et Apollinaire Soungalo Ouattara saluent l'excellence de la coopération parlementaire entre leurs deux pays. Ils ont aussi évoqué les modalités pratiques pour le succès du 4e sommet relatif au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, prévu pour se tenir en juillet 2014 à Ouagadougou.